Bon, je me suis assoupie 20 minutes et ma petite boulette, elle réclame à manger. Elle réclamait pas trop et là, ça y est, ça va être là. Au final, elle a vu que la moitié de son bib. Laissez lui faire le roux. Vous, votre enfant, il fait systématiquement des roux ou pas? Parce que moi, des fois, elle en fait pas. Et la femme sage, elle m'a dit que, genre, au bout de 15 minutes, si elle en a pas fait, c'est pas grave. Enfin, ils sont pas obligés tout le temps de faire des roux, mais il faut les laisser au moins 15 minutes en position haute. Oh mon amour. Oh! En live! Bravo mon amour! Il croque trop bien! Non, je lui ai donné la tétée de bienvenue. Et par contre, hyper chelou, genre j'ai aucune remontée. La tétée de bienvenue, si elle l'a pris. Mais j'ai aucun remontée de lait. Aucune remontée de lait. Enfin, je sais pas, je croyais que c'était systématique quand t'as couché. J'ai même pas mis de coton ni rien parce que j'ai même pas les seins durs, rien du tout. Donc voilà. Mais pour le coup, je vais pas allaiter de toute façon. Je voulais vraiment faire la tétée de bienvenue comme je vous l'avais dit. Et là, bah, elle prend les biberons, elle les prend bien. Et voilà, voilà les filles. Elle est à côté de moi. Je lui ai fait faire son roux. Je vais lui changer la petite couche. Les filles, je suis tellement, tellement heureuse. J'ai tellement hâte aussi de vous raconter là, dès que je rentre à la maison comment s'appelle mon accouchement. Là j'ai les jambes qui regonflent, les pieds aussi. Ils me font des piqûres tous les jours sur les jambes pour éviter les phlébites avec la césarienne que j'ai eue. Et voilà. Voilà, voilà, ici. Bah oui, c'est ma petite boulette. C'est ma petite boulette. Merci les filles. Oui, tout le monde me dit ça, genre profite, grandis trop vite et tout. Et maintenant, on profite un max avec G. Hein. Et franchement, G, c'est un super papa, j'ai trop de la chance de l'avoir. Genre le matin, quand je dis, allez chérie, va te préparer à la maison, va te doucher, va te reposer un petit peu. Parce que, bah, on va pas se mentir, il a pas un lit de folie. Et puis, il m'aide beaucoup, genre, c'est lui qui lui donne les bibis, qui lui change la couche. Enfin, c'est trop, trop mignon. Et il est rentré à la maison, puis après il m'envoie un message, il me dit « Chérie, je reviens, ça y est, je suis prêt. » Je lui dis « Mais attends, mais pose-toi au moins une heure. »« Non, 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 j'arrive. » Comme là, il est parti au travail, on s'écrit, puis il va pas tarder non plus à rentrer après. Donc franchement, j'ai trop de la chance de l'avoir, je vous jure. Non, 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 non. Et puis en plus, je crois que même si je veux allaiter, bah, je vous dis, j'ai aucun remontée de lait. Aucune remontée de lait. Vous voyez, j'ai mis le soutif, j'ai jamais tout d'allaitement, mais il n'y a rien. Ouais, alors, je dis la femme sage, parce que pour celles qui m'ont raté un petit peu l'épisode, je n'arrive pas à dire la sèche-femme. La sage-femme. Je dis la sèche-femme. Donc du coup, bah voilà, je dis la femme sage. Ça passe mieux. Ouais, bah là pour l'instant, mon ventre il est toujours là. Je l'ai un peu perdu. Mais tout à l'heure, le docteur il m'a dit que c'était normal. Parce que mon utérus est en train de descendre, processus et tout. Mais du coup, je me dis waouh, il y a des femmes, elles accouchent, elles montent leur bide. Elles ont déjà des abdos. Donc je comprends pas. Moi, c'est loin. C'est loin encore. J'ai l'impression qu'il y a un deuxième bébé dans mon ventre. Mais du coup, c'est bien parce que je suis pas sous le choc de me dire. Non, j'ai plus de ventre et tout. Vous voyez, faire le baby blues, comme on dit. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui l'ont eu, le baby blues? Là, c'est l'aide de la maternité. C'est Modilac, ça s'appelle. Modilac, ouais. Mais moi, je vais prendre un lait bio en pharmacie qu'on m'a conseillé. Et donc, voilà. Donc, dès que je sors d'ici, ça sera un lait bio pharmacie. Je vous dis dès que je sors, je vous la présente dès que je sors de la mater, comme je vous ai dit. Dès qu'on est à la maison, je donne son nom. Enfin, je vous présente carrément ma fille. Voilà. Là, je la laisse un petit peu tranquille. On est à la mater. Ça m'en plus un bébé en une semaine, ça change. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, dès que je rentre, vous allez la connaître.
Ma petite. Ben, je vous raconterai mon expérience césarienne. Par contre, heureusement que l'hôpital où je suis, il est vraiment bien. D'ailleurs, je vous en parlerai, la matière où je suis. Mais que ça soit au bloc opératoire, que ça soit en salle de prépa, en salle de dilatation, tout est là en matière. Il y a une équipe. Et matin et soir, hein, ça change. J'ai une équipe, mais ils sont incroyables. Incroyable, vraiment. Et comme ils me disent, il n'y a pas de questions bêtes. Des fois, je les sonne pour leur poser un moindre question. Ils sont occupés de moi de A à Z, trop bien. Même au bloc et tout. Enfin, je vous expliquerai. Et voilà. Donc, demain, si j'ai un autre enfant, c'est sûr que je reviendrai ici. Je vous dirai tout. Mais je vous dirai pour la César. Puis t'as encore le temps, ma chérie. Je te souhaite pas une César. Je te souhaite un accouchement normal. Donc, voilà. Alors, oui, ça a été le premier à faire le pot à pot. Parce que comme je vous ai dit, après je vous expliquerai tout, mais je pouvais pas le faire. Quand tu fais une César, après, directement, quand on sort ta fille du ventre, c'est regardez là, juste 2 secondes, hop, et elle s'en va avec le papa donc, et le pédiatre. Donc, voilà, et j'en ai fait après. Et des fois aussi, là, je l'avais embouti des fois la journée, et puis je la colle à ma peau. C'est un bonheur fou. Ouais, vous avez raison. Il y en a plein qui m'ont conseillé quand elle réclame le bip, genre tu calcules pas les 3 heures. C'est parce que moi, du coup, je suis une jeune maman, hein. Ouais, vous savez. C'est la première fois. Et c'est vrai qu'à la mater, enfin, tout le monde m'a dit, donc c'est entre 3 et 5 heures un bip. C'est-à-dire que faut attendre minimum 3 heures avant de lui redonner. Et maximum, si elle réclame pas ou quoi, faut essayer de la stimuler. Enfin, faut pas qu'elle prenne après 5 heures un autre bip. Faut essayer de la stimuler avant pour qu'elle prenne un autre bip. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi j'étais très dans les horaires. Non, il reste 20 minutes. Ça n'avait pas encore 3 heures et tout. Bon, en fait, vous me dites toutes, non, n'attends pas. Et là, par exemple, j'ai pas attendu. Elle avait envie d'un bip, il restait 20 minutes d'attente, mais je lui ai fait. Bon, on verra, je vous en dirai plus. En tout cas, là, rien. C'est sûr. Après, faut pas juger une maman qui veut allaiter ou une maman qui veut pas allaiter. Donc, moi, je suis pas dans le jugement. Comme je dis, les deux sont bien et c'est propre à la maman. Parce que, voilà, une maman qui allaite parce que tout le monde lui dit d'allaiter mais qu'elle n'a pas forcément envie, elle va pas avoir le même plaisir. La petite va le ressentir, qu'elle n'a pas le plaisir de donner le sein. Et voilà. Et pour l'instant, en plus, je trouve ça bien pour ma part de donner le bip parce que j'y participe vachement. Il est là, il veut souvent lui donner le biberon. Donc voilà. Donc après, chacun son choix. Mais je vous dirai si j'ai du lait qui sort des seins. Parce que là, pour l'instant, elle a la même tête que j'ai. Vous me direz plus tard. Mais on va voir si elle évolue, si elle ressemble un petit peu à moi ou pas. En tout cas, tous les gens qui viennent nous rendre visite, la famille, mes amis qui reçoivent les photos de la petite et tout, ils me disent, mais c'est la tête du papa à 100%, genre. Elle a les cheveux clairs, j'ai l'impression, un peu comme moi. En tout cas, la tête du papa, moi, je trouve. C'est difficile, je vous mens pas. J'arrive pas, trop à me reposer. Ça se voit, regardez ma tête, hein. Il n'y a pas de filtre, rien. Pas de make-up. Mais en fait, je suis tellement en mode adrénaline, genre elle est là, enfin, et tout. Et vous allez le comprendre avec l'accouchement et tout. Voilà. Et donc, je me repose pas trop. Je dors des petites 20 minutes de sieste. Là, juste avant qu'elle réclame son bip, j'ai dormi peut-être 40 minutes. Voilà. Mais 40 minutes où je la guette tout le temps, quoi. Donc, pas 40 minutes non-stop. Peut-être parce que je suis une jeune maman. Enfin, pas une jeune maman. Parce que, je veux dire, je suis une nouvelle maman. Du coup, je la guette toutes les 2 secondes. Tout va bien. Ah, mais je savais pas. Ouais, vous m'apprenez un truc. Voilà, c'est ça. Quand j'ai fait la tétée de bienvenue, la femme sage, elle me disait que je lui donnais du colostrum, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai donné en premier. Les cotons sont dans la salle de bain. Non, mais voilà. Et demain, je vais voir pour les cacher. Pour voir si. Parce que là, du coup, je me dis, ouais, il n'y a pas de remontée, donc nickel.
Là, vous me dites toutes que ça va arriver plus tard, que ça va faire mal, surtout si je compte pas allaiter. Donc demain, je vais me renseigner sur tout ça. Et puis je vous dirai tout. Par contre, qu'est-ce que j'ai mal au ventre? Si vous saviez, les filles, mais tout à l'heure, le médecin m'a dit que c'était normal, que c'est dû à la césa, qu'il y a l'utérus qui descend, tout ça. Donc, du coup, bah voilà, je vais pas au sel. Et que c'est normal. Mais ça, du coup, j'ai trop mal au ventre. Ah ouais, purée, t'es loin. Bravo déjà, félicitations. Ah non, moi, ils me disent 30, 40, entre 30 et 40, toutes les 3 heures. Voilà. Mais ma fille, elle est née, elle faisait 3,180 kg. Aujourd'hui, ils l'ont pesée, elle faisait 3,065 kg. Mais ils m'ont dit que c'est normal. Pendant 48 heures, un bébé a perdu du poids.